Bonsoir à tous. 18h31, vous êtes sur 01net TV et en ce mardi soir, eh bien, on vous propose un nouveau numéro de 100% Windows, euh, votre émission dédiée à au PC et à tout l'univers du PC. Et oui, et il n'y a que sur 01net TV que vous pouvez trouver Only. du 100% Windows pendant 30 minutes. Vous pouvez interagir comme d'habitude. Nous sommes en direct, donc direction Twitter, hashtag 01Live, vos questions, vos commentaires, on y répond en direct. Exactement. Alors on va parler de plein de choses qui vont vous passionner à quelques jours des fêtes de fin d'année, les amis. Vous souhaitez ah. peut-être vous offrir un nouveau PC spécial gaming Hein peut-être que le papa pensait. Noël, peut-être que mais le papa pensait, Noël, lui, y pense. Mais vous, vous dites, mais comment choisir Eh bien, ça tombe bien parce que Emmeric Simon va être là pour nous donner quelques petits conseils tout à l'heure. On va recevoir aussi un spécialiste du domaine, un responsable de Asus France, qui euh, justement nous dira un petit peu quelles sont les tendances pour ces fêtes de fin d'année dans le monde du PC gaming. Mais pour débuter, Jérôme, on va parler de la oui. Xbox One. Eh oui, parce que maintenant, Windows, c'est aussi sur la Xbox. Donc forcément, Windows, gaming, Xbox, la boucle est bouclée. Et, oui. et pour en parler, c'est notre spécialiste maison qui est là, Emric Siméon. Salut Emric. Bonsoir. Salut Emric. Emric Siméon, qui vous le savez, est un autre spécialiste PC gaming ici sur 01net.com et 01net TV. Euh, alors voilà, elle est arrivée il y a quelques jours de cela, sans crier gare en plus, comme on dit à la SNCF. <laughs> Excusez-moi. Euh, donc cette, aller, cette, cette, ah, <laughs> cette mise à jour Windows 10 sur Xbox One. Qu alors, qu'est-ce qui se passe chez Microsoft Pourquoi ils veulent mettre du Windows 10 partout, et même sur une Xbox One bah, On harmonise l'écosystème chez Microsoft, ça paraît euh, ouais, logique, hein, logique, donc euh, du Windows 10 partout, sur les PC. Sur les téléphones portables, hein, sur les smartphones, les tablettes, bien sûr, et puis bah, la console. Parce que, mine de rien, c'était le seul élément de l'écosystème Microsoft à qui manquait euh, sa petite version de Windows. Ouais. Alors, Xbox One donc, a, a subi une mise à jour. Hein, voilà, c'est ça. Voilà, tous les utilisateurs d'Xbox One aujourd'hui ont dû avoir cette proposition de mise à jour. Tout à fait. Ça se passe bien déjà, parce que c'est vrai ouais. que c'est quand même une mise à jour assez conséquente. Tout à fait. Hein, ouais, euh, ouais, euh, ça ne se, ça se télécharge pas en 5 minutes. Hein, ouais. euh, c'est plusieurs gigas à télécharger. Ouais. Ça s'installe euh, plutôt bien. Moi, j'ai pas du tout eu de soucis euh, en faisant la mise à jour ici, euh, ni à la maison. Donc euh, voilà, c'est plutôt bien, c'est plutôt rassurant. Et là, on est en train de regarder la nouvelle interface donc de la Xbox One sous Windows 10. Hein, voilà, c'est ça, hein. ça. Voilà, donc euh, on a on a fait quelques quelques petits euh, quelques petits plans avant l'émission. Donc c'est et... un peu un mix entre euh, l'ancienne interface euh, Xbox et, et puis la nouvelle interface Windows, c'est ça Tout à fait. Voilà. Alors, j'aurais pas mieux dit. Alors, effectivement. Ah ouais. euh... <laughs> <Et ouais. rire> et ouais. Il est comme ça, Gérald. C'est ça. Euh, alors, ce qui change, c'est que l'écran d'accueil et en tout cas les, les les menus principaux du jeu, enfin euh, de la console, pardon, sont quand même euh, bien moins axés sur une navigation horizontale qu'ils ne l'étaient auparavant et sont plus maintenant axés sur une euh, navigation verticale. Alors, vous allez me dire, euh, expliquez-nous ça. Docteur. Oui, voilà, pourquoi et que, Windows, en, en quoi, quoi c'est mieux. <laughs> bah, finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus euh, instinctif et intuitif oui. de naviguer du haut vers le bas que de la gauche vers la droite. Bizarrement, on lit. Euh, de la gauche vers la droite hein. mais euh, en tout cas on est habitué avec nos smartphones avec nos tablettes etc à naviguer du haut vers le bas et, euh, ou du bas vers le haut et il faut dire que là dessus Microsoft a plutôt bien réussi son coup puisqu'on a une vraie harmonie entre ce qu'on va retrouver sur des PC sous Windows 10 et ce qu'on va retrouver sous la, euh, sur la Xbox One en ouais. tout cas en apparence mmh -hmm. parce que à l'arrière il y a encore des menus qui ne bénéficient pas euh, de ce changement d'interface. Je pense notamment à tous les menus un peu euh, euh, liés à, voilà, donc là comme on voit l'écran au jeu et les applications. En tout cas, c'est méga fluide. Hein. Voilà, alors c'est très fluide. En plus, ces effets de transparence avec. Euh... Mais typiquement, là, on retrouve ce qu'était l'interface à la base. C'est complètement accro à Windows. Hein. Voilà, ce qu'était l'interface à la base et, euh, et c'est pas, euh, c'est pas dans la veine de ce qu'on retrouve sur l'écran d'accueil. Voilà. D'accord. Alors, bon, on le voit de, de, des efforts cosmétiques, hein, de ouais. beaucoup de changements cosmétiques. Ouais. Euh, mais ça va plus loin que ça, Windows 10, en fait. Alors, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça, déjà, parce que, euh, effectivement, on parlait de fluidité. Ça a amené une certaine fluidité. Et ça, c'était euh, quelque chose que demandaient énormément les fans et les utilisateurs. C'est vrai que l'interface de, de la. Pro, la Primo, interface, on va dire, était vraiment lourde. Là, elle est beaucoup plus légère. Mais c'est aussi, euh, ça, ça apporte aussi pas mal de nouveautés, notamment, euh, je pense que c'est à ça que tu penses, mmh. euh, la rétrocompatibilité des jeux euh, Xbox 360 avec la Xbox One. En tout cas, ça amorce la vague. Alors ça, c'est important. Ça veut dire que euh, les utilisateurs d'Xbox 360 qui ont gardé précieusement leurs jeux, qui sont dans la cave, tout à fait. Oui. vont pouvoir les ramener à la maison. Ouais. Pour certains. Pour certains et les utiliser sur une Xbox One. C'est ça. En fait, le, le, comment dire, le fonctionnement, c'est tout simple. Aujourd'hui, il y a 104 jeux qui sont officiellement euh, disponibles euh, dans le programme de rétro-compatibilité de, de Windows. Euh, j'ai un de ces jeux en format physique. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je prends mon CD, je l'insère dans ma Xbox One, elle va reconnaître que mon jeu est un original, ce qui est assez important quand même. Euh, dans, dans la suite des opérations, on va télécharger le jeu depuis euh, le serveur de Microsoft sur ma, ma Xbox. Et je vais pouvoir y jouer en laissant le CD à l'intérieur. Donc le CD ne sert qu'à dire Ok, tu n'es pas en train de m'arnaquer. C'est ça. Tu as ça ce jeu-là. Tu as les droits. Voilà, en fait, voilà, et, tu, et tu vas pouvoir y jouer sur Xbox One. Est-ce que le jeu sera meilleur Est-ce qu'il sera plus beau Il euh, y, y a des modifications qui sont faites Légères. Légère. Normalement, effectivement, la plupart des jeux qui sont rétro-compatibles ont été légèrement optimisés pour la Xbox One, mais euh, ne pas s'attendre à une révolution graphique. C'est-à-dire qu'on n'a pas refait intégralement le jeu. On a juste lissé, un petit peu amélioré, etc. Voilà. est peut-être les graphismes, etc. Voilà, légèrement. Donc ça, c'est quand on a une version physique. Quand on n'a pas une version physique, quand on a une version, on va dire, digitale, achetée sur le market, à partir du moment où elle est effectivement compatible avec le programme, pas de souci, elle apparaît dans les jeux prêts à télécharger ça, de normal. la Xbox One. D'accord. Voilà. Attention, pas tous les jeux Xbox 360 fonctionnent sur Xbox One. Non, pas tous. Pour l'instant, 104. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et c'est quoi Microsoft prend les plus... les, 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 les best-sellers, les... Alors les ça, Alors, euh, oui et non, parce qu'en fait, euh, le choix est un peu... Euh, est assez étonnant euh, on, on a du gears of war donc qui sont des licences euh, oui. euh, comment dire dédiées microsoft on a du Fable, qui sont des licences dédiées microsoft on a du halo par exemple alors il y en a un halo spartan d'accord euh, voilà et puis à côté de ça on a des jeux lego et puis on a euh, des petits jeux euh, un peu moins on va dire populaires, un peu moins euh, un peu moins euh, sous les feux des projecteurs etc donc il y a un on va dire un joli panaché de mmh. jeux mais euh, moi qui m'attendais à trouver énormément de hits euh, AAA et puis euh, quelques indés en fait pas du tout, il y a de tout pour tout le monde. C'est ça qui est assez rigolo finalement. D'accord. Voilà. Je vous rappelle que nous sommes en direct Hashtag #01live si vous voulez poser vos questions à Émeric Siméon concernant cette nouvelle interface de euh, Xbox One avec l'arrivée donc de Windows 10. Donc rétrocompatibilité avec euh, certains jeux, ouais. plus d'une centaine sur voilà. euh, pour l'instant. Xbox 360, tout à fait. Quoi d'autre Et on a une question euh, oui. justement sur Twitter, c'est euh, Marc qui nous parle de portage des jeux sur un PC, c'est-à-dire est-ce que euh, l'arrivée de Windows 10 sur, sur, sur euh, la Xbox, ça, peut, euh, ça joue aussi sur, euh, le, sur la plateforme PC elle-même Non, pas encore. En en cas, ça peut arriver, peut ça arrivera. Peut Mais peut en peut revanche, il y a un truc, tu m'en parlais tout à l'heure, qui, qui est pas mal du tout. Ouais. C'est le fait de pouvoir streamer des jeux d'Xbox One sur ton PC. Sur le PC. Voilà, c'est ça. En fait, dans Windows 10, ça, hein voilà, avec, avec l'arrivée de Windows 10, est arrivée l'application Xbox. Euh, qui est implanté en fait, on, directement on... voilà donc là on, on, le, voit, à, on le voit à l'écran voilà. donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai euh, connecté la Xbox one et un pc sans fil euh, sur le même routeur. Je, tout ce que j'ai à faire, c'est à rentrer l'adresse IP de la console, qui est très facilement trouvable. Alors là, tu parles de routeur, mais sur la box à la maison, ça marche. Pareil la même chose. Hein. Exactement. Une iBox, une FreeBox, etc. Peu importe. Du moment qu'ils sont sur le même réseau, tous voilà, les deux. Parce voilà, qu'ils sont sur le même réseau domestique, il n'y a pas de souci. Et en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est à renseigner l'adresse euh, IP de la console, donc, que je vais trouver relativement facilement dans les menus euh, de paramétrage de la console. Ouais. Ça, je le rentre dans l'application euh, du PC, quand il me le demande. Ensuite, je fais un test de euh, fluidité pour savoir à quelle qualité de débit je vais pouvoir avoir mon stream et le tour est joué. C'est-à-dire un test de débit, parce que c'est à dire que en fait euh, voilà, il y a si plusieurs réglages bon possibles. Débit, -ce alors, ce passe, alors le débit en fait, c'est pas tant pour la... débit internet, c'est la qualité de ta, le... voilà, ah, la qualité si de ta éloigné, connexion box, en interne à la maison. E -box. Imaginons que ton PC dans non, est le salon et que ta box, je sais pas moi, elle est un étage au-dessus. Voilà, le débit risque d'être un petit par contre si sont si les deux appareils sont dans la même pièce mais ça dégrade. Et dans ce cas-là, ouais, voilà, qu'est-ce qu'il fait il... il dégrade la qualité graphique. Alors voilà, il, te... il sélectionne tout seul la ah, meilleure chouette, quali hein, la qualité possible, sachant que tu peux jouer dessus. C'est-à-dire que toi, tu peux reprendre la main en disant je veux une qualité voilà. bien meilleure, je vais mais malgré tout, mais je vais voilà. avoir du lag. Mais au parce détriment, voit... voilà, de, 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 de décalage et effectivement. Il faut, il faut beaucoup malade. de débit, à ton avis, ou pas Non, parce qu'en fait, avec de avec du Wi-Fi N, donc, ça passe, ça passe, mais sans aucun problème. c'est pas mal, parce que finalement, ouais. ça va permettre de jouer à la Xbox One. Euh, par exemple, les, je sais pas moi, ta télé est prise par tes parents mmh. ou par quelqu'un qui regarde une série ou je sais pas quoi. Ça. Ta Xbox One est sous la télé. Ben mmh. malgré tout, toi tu avec un écran finalement, ouais. tu vas pouvoir jouer. Voilà, avec le PC, je vais pouvoir jouer simplement. Ça, je vais pouvoir continuer à utiliser mon PC comme un PC lambda tout en ayant ma fenêtre euh, en plein écran ou en mode fenêtré, euh, mon, mon jeu sur Xbox, sachant que je ne suis pas obligé en plus d'être dans la même pièce puisque que la manette soit connectée à la Xbox ou au PC, c'est pris en charge. Hmm. Et, et Ça, ça marche, marche aussi pour les jeux, pour les jeux en réseau. Et les... Ouais. Tout à fait. Tout un, peu importe le jeu. On peut streamer on... tout ce qu'on veut. D'accord. Il n'y a vraiment pas de temps de avec Alors euh, la manette là ici si on ouf... l'a fait euh, avec la manette, ah non, pas du tout. Ouais. Euh, à partir du moment où la manette, euh, si c'est la manette de la console, pas du tout, et si c'est la manette reliée au PC. J'en ai pas vu non plus. D'accord. Donc voilà. Euh, par contre, on va juste préciser qu'effectivement, euh, peu importe la puissance du PC, c'est important de le préciser, euh, ça marche. En fait, tout ce que fait euh, le PC, c'est juste de recevoir un flux vidéo. Il oui. faut quand même avoir un processeur bon, un peu. C'est comme, comme si, si tu regardais une vidéo YouTube en, voilà, c est, c est, en HD. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire ouais. en fait, le signal reçu n'est que de la vidéo. Il ouais, n'y a ouais. absolument rien qui n'est euh, calculé par le processeur interne pas mal, ça. du PC. Mmh. Oui. Et ça marche très bien. c'est un petit peu. Alors petite parenthèse, hein, on sort deux minutes de Windows. C'est ce que propose euh, Sony avec un petit euh, un petit appareil dont j'ai oublié le nom, mais qui permet. Oui, sur sûr. une télé de jouer à sa PlayStation, PlayStation 4. PlayStation 3. Que PlayStation, que ça ça PlayStation TV, non ouais, ou PlayStation ça. TV, PlayStation, PlayStation ça, Oui, Exactement. Ouais. Oui, c'est oui, exactement ça. Voilà. Ça ne marche que sur PC ça marche que sur PC. D'accord. Il faut donc avoir si le truc Xbox, Android en fait. ou un Mac. Je peux pas. Non, euh, pas que, bah, que je sache en tout pas cas. Pas pour l'instant en tout pas cas. Pas pour l'instant. Euh, vous êtes très nombreux à nous poser des questions sur le hashtag 01live. N'hésitez pas. Il euh, y a Chris qui nous dit par exemple, faut-il avoir la fibre optique mmh. pour streamer les jeux Xbox One sur PC En fait, ça n'a rien à voir. Absolument. C'est la qualité du réseau à l'intérieur de la maison, voilà, qui est dans le domicile. Hein. C'est ça. La connexion Chris, donc, Internet. Pas de souci. La connexion Internet ne joue pas. C'est la connexion vraiment dans le dans le, la, la qualité du réseau au domicile. D'accord. Voilà. Et euh, nous avons aussi Lucien qui nous dit euh, François une nouvelle tablette oui en fait euh, <laughs> c'est la, la surface pro 4 j'ai mis en mode tablette très sympa pour avoir vos flux euh, Twitter en direct. Euh... On a tout dit sur la Xbox One ou sous Windows 10 ben ou il faut je rajouter je un petit crois, truc hein, Je crois qu'on a tout dit. Je pense a tout dit. Ah non, il y avait juste un de un dernier, une dernière petite chose peut-être oui. que les joueurs vont apprécier. Le fait de pouvoir personnaliser les boutons de la manette. Ah oui, ça ça. ça Alors, ouais. euh, on s'entend, il n'est pas question ici de pouvoir faire des combinaisons de boutons, d'enregistrer des combinaisons de boutons sur un seul bouton. Typiquement, dans un jeu de combat, je vais pouvoir enregistrer euh, tous mes combos préférés sur un seul bouton pour aller éclater mes adversaires mmh. en ligne. Ce n'est absolument pas éclater. possible. Mais comme il dit, il dit pas éclater. Une bonne macro. Non, éclater, Éclater les adversaires en ligne. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de déporter certains boutons sur d'autres. Imaginons que j'ai envie d'avoir mon bouton A et X sur mes gâchettes arrière, c'est possible. Ce n'était possible au début que sur la manette contrôleur mmh. Elite qu'on voit là à l'écran, qui était sortie euh, tout ah début ouais, novembre. Et avec l'arrivée de la mise à jour euh, du 12 novembre, enfin ça a suivi euh, très rapidement, il est possible de le faire maintenant avec n'importe quelle manette sans fil filaire de Xbox One. C'est pas mal. Voilà. Donc plutôt positif cette euh, mise à jour. Hein. Tu, ouais, -tu conseilles de, de la faire. Euh, oui, je conseille de la faire, surtout qu'à mon avis... Euh, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment euh, elle soit ouais, même nécessaire soit obligatoire, pour pouvoir jouer voilà. en effet voilà. euh, on parle plus de Kinect trop hein, j'ai l'impression que plus Kinect trop. est un peu un peu passé aux oubliettes, ouais. peu oubliettes ouais. hein, bon, peut-être que, peut que ça reviendra peut-être peut-être pas peut-être peut pas peut <laughs> on peut 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 verra voilà. <laughs> bien <laughs> <laughs> merci Émeric, tu restes avec <laughs> nous ouais. parce qu'on va euh, tout à l'heure parler euh, de, de ton top 3 des PC euh, gaming pour ces fêtes de fin d'année mais nous sommes ravis d'accueillir un invité maintenant Jérôme oui nous recevons le Guillaume Henri, bonjour Guillaume. Bonjour. Et vous représentez ici la marque Asus, est ça. qui est, comme on le sait, depuis très longtemps bah, très engagée dans le gaming, hein, avec euh, de nombreux produits vraiment orientés gaming. Alors d'ailleurs, vous êtes arrivé avec un petit, euh, <laughs> Et un petit, c'est enfin, un, un petit, c'est un 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 avec même, hein. une énorme bestiasse que vous allez nous montrer tout à l'heure. Mais d'abord, peut-être avec vous, ce serait intéressant d'avoir un petit peu une... comment se porte le marché du, du gaming sur PC Ouais, on a, a l'impression que ça, ça décolle vraiment, enfin en tout cas qu'il y a une espèce d'engouement pour les... les... Là, en fait, les euh, chez trucs. Asus, nous, on a toujours eu un ADN gaming. Ça fait euh, 10 ans maintenant que la gamme oui. Republic of Gamer euh, est née. Et euh, nous, on est très implanté, on, on suit le gaming. Mais c'est vrai que depuis, euh, depuis qu'il euh, y a des casters sur Internet, euh, notamment avec l'arrivée de Starcraft 2 euh, les parties qui étaient retransmises par Ponfétude, qui étaient commentées etc les ouais. et casteurs c'est euh, c'est stitch et tout ça hein voilà c'est ça c'est sur ouais. de, oui sur Twitch et euh, sur là Twitch, oui cette année on, on a l'explosion de Twitch et c'est vrai que euh, là depuis Starcraft 2 euh, c'est la folie quoi les, à la fois au niveau des casteurs des youtubeurs qui, euh, qui maintenant retransmettent leurs parties etc c'est ouais, ouais, c'est vraiment incroyable, euh, ouais. incroyable incroyable ouais, ouais. Ouais. Euh, alors, il faut quand même que vous nous expliquiez ce que vous avez euh, apporté là. Alors, qu'est-ce que c'est que que <laughs> En fait, j'ai l'impression que c'est un PC aspirateur, sans machine, ventilo. Alors, hein ça ressemble ouais, un peu à ça. Sûrement ça, François. C'est beau, hein On est d'accord Donc... ou pas Oui. Oui, bah c'est le, le GX700 qui a été présenté à l'IFA euh, cette année, au mois de septembre. Et c'est le premier PC portable qui est watercoulé, c'est-à-dire qu'il est refroidi euh, par de l'eau. Donc oui, on voit la valise. Il euh, est watercoulé, alors ça ne veut pas dire qu'il est au fond de l'eau. Hein, non, 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 watercoolé. non. Alors vous avez un, un système de refroidissement euh, à l'intérieur de la machine, vous avez un tuyau hein. qui récupère la chaleur, ouais. et ça va passer dans la base qui est ici <laughs> pour est euh, dissiper la chaleur. Alors ça paraît un peu euh, comme ça, un peu, un peu fou. Non, mais euh... plus. <laughs> Alors, il faut savoir que le PC fonctionne, peut fonctionner euh, complètement euh, tout seul. D'accord. Il a oui. son système de refroidissement traditionnel. Exactement. En fait, pourquoi il a un système de refroidissement aussi évolué, c'est qu'il embarque euh, la dernière carte graphique pour portable de chez Nvidia, mais qui est une GTX 980, oui. qui, euh, qui est une GTX de euh, de, de tour. C'est euh, l'intérieur, c'est une puce qui a été prévu à la base pour les, les tours de PC comme vous avez ça elle, elle arrache tout ce qui passe cette carte ou pas Oui, alors en fait euh, par rapport à son pendant de PC portable, donc la 980M, la 980, alors selon Nvidia offre jusqu'à 35% de, de performance en plus. On va bien prendre le jusqu'à effectivement. Oui. Euh, nous on a constaté plus entre 15 et 20% de performance en plus. C'est déjà ça. C'est déjà énorme, surtout sur un PC de portable, parce qu'on va arriver quasiment à des prestations similaires à celles qu'on pourra avoir sur certaines tours. Je dis bien certaines tours. D'accord. Ouais. Mais c'est le ne n'est que plus ultra en termes de, de, de puissance graphique ou il y a encore mieux Non, pour l'instant, c'est ce, ce qui se fait de mieux. Donc on a ça là-dedans. Mais... Pardon, et donc le, le water cooling est obligatoire. Euh, non, 100%, non, non, non. non C'est-à-dire que là, euh, votre PC, vous avez donc la 980, vous avez un Core i7 qui est lui aussi overclockable. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter la fréquence. Mmh. Et euh, là, vous allez, si vous le débranchez, vous allez fonctionner comme si vous aviez une 980M, c'est-à-dire la version euh, mobile. Le PC va brider automatiquement ah, oui, ses performances, histoire de pas prendre feu, pour pas trop chauffer. Voilà, il okay. y, a, y a un système. Euh, en fait, euh, Nvidia a mis un système en place qui permet d'augmenter les fréquences tant que euh, la, la carte graphique est bien refroidie. Donc c'est un système qui est complètement automatique, complètement automatisé. Et là, quand vous partez avec, vous allez pouvoir avoir les performances de la 980. Euh, par comparaison, ce modèle-là est plus fin que notre gros euh, G750 -2 peut-être émeric va parler juste après euh, il est beaucoup plus fin et du coup vous pouvez ouais. vous balader avec sans problème en fait oui. la, la station d'accueil est prévue pour rester à la maison d'accord d'accord bon c'est super ça, ça c'est un vrai truc de geek c'est génial euh, ça irait bien sur ton dans ton salon ça je pense que ta oui, femme oui, serait oui, ravie d'avoir ça fait. sur la table Exactement. basse comme ça là juste comme ça hein et euh, en tout cas oui, oui parce elle joue énormément <laughs> oui bien sûr bien sûr mais euh, tu m'as coupé mon effet, je voulais oui. poser une question à Emmerich. Tu t'en souviens ou oui, Il faut que je tout te re redémarre Est-ce que c'est vraiment un plus ou on est un peu dans le gadget marketing Allez, même si on a notre invité qui est là, ah non, non, mais on se dit tout ici. Non, non, mais on, oui, on va être très clair. Va. Oh, ouais, on va être très clair. Cette machine, c'est une vitrine technologique pour Asus. On, voilà ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui à l'heure actuelle. Mmh. Avec, Vous êtes avec seul à faire ça Oui, c'est ah. le premier PC portable water -coudé. Voilà, c'est ça. Donc avant on parlait d'Alienware comme étant euh, une vitrine technologique mmh. monstrueuse avec des machines hors de prix, etc. Aujourd'hui, typiquement, Asus... Avec ce, ce GX 700 vient exactement braconner sur les mêmes terres de ouais. luxe. Parce qu'on est quand même sur un, un PC qui, qui coûte ça... pas loin. de... Alors voilà comment ça coûte. Alors ça pas coûte loin est -ce de très cher. Que c'est -ce dispo Alors c'est dispo la première semaine de janvier, donc euh, juste après les fêtes euh, pour les étrennes. Donc voilà. Ah, ouais. <laughs> Il faut <laughs> demander de l'argent à non, Noël. à dire parents vous dites surtout je veux rien. Donnez-moi de l'argent <laughs> parce que je vais en avoir besoin. Mais... Beaucoup d'argent non Et euh, pour le prix public on est à 4500 euros. <laughs> Oui, voilà. c'est euh, notre euh, plus beau PC, c'est le PC actuellement portable le plus performant. D'accord. Avec ou sans la station avec Tout inclus. Et avec la valise. Et avec la valise. Oui. Ah, on, on a sympa, la, valise on on la valise en plus, c'est cool. Euh, Guillaume, alors 4 bon... 1500 on, euros, on, on va laisser tomber cet appareil-là qui est vraiment du haut de gamme. Mais si si on veut être un petit peu plus raisonnable, il y, y a des PC sympas chez Asus pour jouer Oui, alors, qui sont disponibles. Oui, qui sont disponibles. Oui, on a, euh, on a environ 4 modèles, on va dire 4 châssis différents. Ouais. On va avoir un 15 pouces gamer, le G552 qui commence à partir de... 800-900 euros qui permet de jouer avec une GTX 960 M euh, et un Core i7, donc euh, vous pouvez jouer dans de très bonnes conditions. Ouais. Et après, on a un modèle ultra fin également en 15 pouces euh, qui ressemble euh, au niveau du format à un MacBook Pro par exemple. Mm -hmm. euh, et après, on aura un modèle 17 pouces euh, plus performant qui, euh, qui inclura euh, jusqu'à euh, la GTX 980 M et euh, qui commence à partir de 1500 euros. C'est marrant parce que les, les PC maintenant sont vraiment euh, construits, euh, architecturés autour de, des cartes graphiques en fait. Bah c'est euh, à l'heure actuelle euh, l'élément qui joue le plus dans les jeux. Ouais. Hein. Donc euh, oui y a le, tout, est, tout est étudié autour de cette autour graphique. De carte graphique. Mmh. Bon Aymeric, oui on revient vers ça toi. Euh, tiens on avait encore une petite question concernant la Xbox One après on n'en parle plus. Ah, Est-ce qu'on qu peut streamer autre chose que du jeu vidéo ouais, et sur je un autre PC À Lucien qui demande ça veut dire quoi streamer alors, streamer. On va, on va ouais, comment. On va, on va, on va à diffuser la vidéo. Voilà, c'est ça, c'est diffuser de la vidéo, euh, que ce soit en sans-fil ou en filaire. Mm -hmm. Je diffuse de la vidéo d'un point A vers un point B. Voilà, euh, peu, peu importe finalement. Euh, voilà. Donc c'est parenthèse c ça. Wikipédia, N Maximéon, sur 01net TV. Non mais c'est vrai. Nécessaire. Et vrai. la semaine prochaine, on vous expliquera Minitel, les amis. Vous restez là. Alors, est-ce qu'on peut streamer autre chose que de la vidéo Alors, euh, du jeu vidéo. Alors, la, la question est bonne. Euh, J'aurais envie de dire oui, dans le sens où, comme on a accès à toute l'interface Xbox One, euh, il n'est pas dit que ça se limite qu'aux jeux vidéo. Par exemple, si on a un compte Netflix ou si on a, je ne sais pas, moi... Voilà. Euh... Je, je... Pense sans trop m'avancer que c'est tout à fait possible. possible. Je vais maintenant être tout à fait honnête avec vous. Moi, à part jouer, je fais rien d'autre avec ma Xbox. <laughs> bah oui. Donc, euh, j'ai pas tellement essayé les autres choses. Mais bah, je pense que c'est possible ailleurs, hein, à côté euh, de Oui, de... enfin, il paraît. Oui, voilà. voilà. Mais. épousé euh, une Xbox. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça. Est mmh, ça. Ouais. Tout à fait. Je, bah, elle est très belle d'ailleurs. Et, euh, et voilà. <laughs> vrai. Mais, euh, mais, <rire> <rire> mais euh, bon, blague mais à part. je C'est si ça. J'ai pas, j'ai pas tout à fait, j'ai pas tout à fait diversifié les possibilités. j'imagine que c'est possible. Je vois mal Microsoft brider. Oui c'est sûr. Ça n'a pas de sens. On est d'accord. Euh, alors, on a évoqué les PC gaming d'Asus là pour les fêtes de fin d'année, mais maintenant le verdict du labo 01net ouais. et ton verdict à toi. Ton top 3 mmh. DPC PC incontournables pour les fêtes de fin ouais, d'année Parce qu'on a pas mal de questions d'ailleurs. Ouais, alors je me doute. Alors juste on va juste rappeler qu'il y a un comparatif permanent des PC gaming sur 01Net qui est accessible toute l'année, euh, qui se garnit au fur et à mesure des arrivées et se dégarnit aussi au fur et à mesure des, des sorties des machines. À partir du moment où elles ne sont plus en vente, je vais rappeler qu'on les enlève de nos comparatifs. Ouais. Hein. Mmh. Euh, donc aujourd'hui euh, sont arrivées au labo euh, un peu moins de 10 machines de gaming dernière génération. Parmi lesquels, euh, j'en ai choisi deux, et puis j'ai choisi une troisième machine qui n'est pas testée, mais euh, qui a été, on va dire, déjà éprouvée par le passé dans une version antérieure, et dont je sais, euh, sais que oui, voilà, ça, ça devrait le faire. Alors, Alors a... en plus, il y a trois gammes de prix. Hein, on a, ouais, on a ça ensemble, c'est-à-dire que euh, il voilà, y, y en a pour toutes pour le les bourses. C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, même sur un PC portable, euh, de se ruiner complètement pour pouvoir jouer. D'accord. Voilà. Après on peut manger normalement et tout. Bah, ça, dépend. Ça, euh, <laughs> ça dépend si on ne passe pas trop de temps à jouer. D'accord. Voilà. Alors on commence par le numéro 3. Voilà, alors, le numéro 3, il coûte euh, à peu près 1000 euros. Et c'est un Acer Aspire VN7 592G. Alors derrière cela se cache un Core i5, 8Go de mémoire, 1 Tera et euh, une GTX 960M. Alors je sais qu'à la technique là-bas ça grimace parce qu'ils ne l'ont pas. Disent, mais on n'a pas, pas les images. Mais voilà, donc pour <laughs> ceux qui connaissent euh, un peu les gammes à c'est euh, un Vénitro. On est dans le prédateur là ou pas Non, on est dans le Vénitro, c'est-à-dire la gamme en dessous en du en -dessous, voilà Et qui permet simplement euh, de jouer à ce qu'on va dire, à des jeux casu. Donc euh, c'est pour le casual gaming, c'est-à-dire mmh. je fais du jeu de temps en temps, ou alors je ne joue qu'à des jeux peu gourmands ou pas très gourmands. Mais Donc, je peux quand qu même. Qu'est-ce qu'on peut pas faire alors, alors je ne peux pas mettre euh, typiquement un jeu euh, type dernière génération, on va dire allez hop, au choix euh, Assassin's Creed, je peux pas le mettre à fond, mmh. à toc avec tous les tous les tous les ouais. fils, tout le je ne pourrais pas. Je peux pas. Je mais on revanche, je ne pas avec, tout, avec tous les réglages à fond. Voilà, c'est ça. Il va falloir que je fasse des compromis sur mon Oui, ou je baisse la, détails, la résolution et sera... voilà. j'augmente les détails. Tout ou alors j'augmente les détails, mais je, je vais baisser la résolution. Voilà, c'est ça. Il y a toujours un compromis à trouver pour garder un minimum de fluidité. Oui, on considère plomb, que ouais, quoi, ce... 30 à 60 images par seconde pour qu'à oui, l'œil, ça paraisse fluide. Voilà. Ok. Donc si on dégrade le jeu, on pourra y jouer, mais on n'aura pas la beauté du jeu, euh... Voilà, okay. tel qu'on pourrait les voir. Par exemple, je ne sais pas Ça veut dire que pour 1000 euros, aujourd'hui, on peut malgré tout... Avoir une petite machine de gaming. Oui, enfin une, une petite machine de gaming, une sérieuse, mais une jolie machine de tu gaming. Voire même corps, pour un peu moins. Hein. Le, les références du, du produit. Oui, je peux la rappeler. Oui, c'est euh, l'acer Aspire VN7 592G. C'est sympa. En plus, ça... ouais. oui, tout à voilà. fait. Mmh. Voilà. À retenir, euh, c'est cool. Oui. Hein voilà. Le on le trouve, trouve, euh, on le trouve facilement. Il ne faut en ligne, pas, une, voilà. Voilà. il faut pas, euh, comme ça, 58 chiffres et des lettres. Et oui, mais il y a des logiques. Après, ça te permet de voir les générations, lequel était avant lequel. Mais c'est les ingénieurs qui pensent aux logiques. Je pense pas les, pas le marketing, non. Ah bon, ça c'est un autre débat. Tout... Pas... Ah, ah. Ah, je pourrais, faire, je alors, pourrais alors, vous donner vrai, toute la nomenclature, mais se euh, se par exemple, si on prend le G752, euh, le 7 donc le G c'est pour gamer forcément, ouais. le 7 c'est pour 17 pouces, donc on peut faire la même chose avec les 552 qui sont des 15 pouces. Et oui, il y a une logique. Donc, voilà. ouais. euh, le 5 du milieu, il a pas euh, d'intérêt, c'est le châssis entre guillemets, mm. et le 2 après c'est la révision. Et après souvent les petites lettres c'est le processeur et la carte graphique ah, donc a... à chaque changement de processeur et de carte graphique euh, nous ça nous permet de nous repérer mais chez vous ça, ça vous fait vous perdre entre guillemets ouais, c'est sûr ouais. bon alors ça c'était pour le on va dire l'entrée de gamme ouais, à 1000 ça. euros ouais. j'ai un petit peu plus un peu plus de ah bah, plus on a réussi voilà. à leur faire cracher un petit peu plus. ça, Ou alors on a cumulé anniversaire grand-parent plus cette reine. <laughs> Exactement. Et là, Les cinq années précédentes. Voilà, voilà. c'est ça. Et là c'est le tiers aussi. Voilà, c'est ça. On est allé, je sais pas, moi, vendre des gaufres sur le marché de Noël. Ou alors on s'est déguisé en père Noël. Aussi, ça, 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 peut. ça peut. Et marcher. donc bah, euh, Guillaume m'a fait un pont en or finalement, puisque effectivement, je vous parlais de l'Asus Rogue G752V GC037T. Ah bah mais oh, alors là, Guillaume, ah, on, on voilà. va presque vous applaudir pour ça. C'est ça. Voilà, non. Non, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir. Donc celui-ci coûte 1800 euros. Et euh, si je vous en parle, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'on l'a testé. Donc euh, voilà, il fait partie des machines qu'on a testées. Le test est à paraître sur 01Net très rapidement parce qu'on est en train de le finir. Il est derrière nous. Hein, voilà, tout à, à fait. Euh, c'est une machine, il euh, y, y a de quoi faire. Voilà, c'est celui qu'on voit tout à fait à l'écran. On n'avait même pas enlevé les... encore enlevé quoi, les... les... Trucs voilà, alors c'est normalement c'est pour le transport. Je le dis. C'est <laughs> les, les protections du transport. C'est les Vous protections pour le pas, transport. Hein, voilà. Normalement, il faut les enlever. On, a, on les avait pas eu le temps de les enlever au moment où on a non, fait les images. A, je pense mais que le caméra c'était une antenne wifi qui sortait, si tu veux, pour mieux capter. Normalement, voilà. Donc et Petit tips chez Asus. Je vais te, je vais juste voler, te voler tes, 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 tes tips, Guillaume. Euh, sur les G752, à l'arrière, il euh, y a des grilles noires pour tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'embarque pas de 980m et des grilles rouges pour tout ce qui embarque de 980m. J'ai bon? Oui, exactement. Voilà. Ça. Donc là, on parle de la référence de la carte graphique. Hein. C'est ça. C'est ça. J'essaie voilà. de parce que bon, ouais. là, vous, GeForce, vous, vous êtes GTX fond, là. 980m, le haut de gamme de chez Nvidia. T'imagines un apéro avec Emeryk et... et Guillaume L'horreur. Bah, tu bah, écoute, es... es briefé à mort. La 980m, écoute, non. Passe-moi les cacahuètes d'abord. C'est ça. Alors, je préfère <laughs> le sens. Euh, que... Je pense qu'en plus, on serait capable de refroidir le tout au Coca. Enfin, ce serait une horreur. Quoi. En plus, quelle <laughs> horreur. Bah, C'est ça. Et ouais, complètement. Bon. Donc ça, euh, ça coûte 1800 euros. Et là, on, on ah ouais, commence là on joue, à rentrer dans la cour Là, des Là, on commence à bien jouer. Et en plus, l'intérêt de cette machine, c'est qu'on va pouvoir la faire gentiment évoluer. Ah, ah, ça c'est. Voilà, on un va tape, pouvoir ajouter de la mémoire. C'est un paramètre important. Pour on va pouvoir gameur. éventuellement changer le disque dur si on en veut pas et mettre un SSD à la place. D'accord. Euh, voilà, il y a, y, a y a quelques possibilités d'évolution à que partir pour, du pour moment... pour ce prix-là. Il n'y a pas de SSD Si, bien sûr que si, il ah. y en a un. Mais on va pouvoir. Il y a, euh, a 256 Go, je crois, de SSD ou 128, enfin 128 sur celui-ci. Et il y a un disque dur d'un tera. Mais euh, les gamers vous diront que euh, le disque à plateau euh, c'est Asbin et que rien ne vaut d'installer un jeu sur du SSD pour Il a pas avoir... Hein. Oui, pas, qu il a pas que les gamers, les pros aussi, mais surtout les gamers, parce que voilà, je vais prêcher pour ma paroisse un oui. peu. Euh, parce que finalement, sur un SSD, on a des temps d'accès à disques qui sont euh, vraiment vraiment très rapides. Mmh. Donc ça permet de pouvoir minimiser les temps d'attente quand on lance un jeu. D'accord. Euh, en termes d'autonomie, ces appareils-là, c'est pas génial. Ça dépend. On peut malgré tout, par exemple, je sais pas, moi tu as 3 heures de train ou 2 heures de train de faire des parties comme ça sans, sans un fil à la patte alors tiens, quand ça même, ou pas dépend quelle machine la question d'un auditeur typiquement pas, hein. celle de la, la machine d'Asus je suis désolé Guillaume mais non en fait, elle ne va pas tenir plus de deux heures. Et encore, euh, on, a, on a tassé. Parce que euh, pour différents, on va dire, différents, euh, différents paramètres qu'on ne va pas aborder ici, euh, la batterie, euh, clairement, n'est pas économisée. Hein, okay. euh, L'ensemble des composants... Optimisé, en fait. bah oui, on va voilà. pas avoir à la fois de la puissance et une batterie. Alors, euh, si on peut. Il si euh, euh, y, euh, y, y a une technologie, notamment chez NVIDIA, mais il y a son pendant chez AMD aussi, euh, il est bon mm -hmm. de le rappeler, euh, qui s'appelle euh, Optimus. Et Optimus, en fait, le euh, principe de fonctionnement est tout simple. À partir à partir du moment où je n'ai pas besoin, où mes applications n'ont pas besoin euh, de comment dire, de puissance graphique, la carte graphique se met en hibernation, elle s'endort et laisse le processeur avec son petit contrôleur graphique intégré gérer. gérer le job. Mmh, voilà, c'est-à-dire afficher Windows, afficher ouais, le sort oui. sur Internet, ouais, etc. Du et coup, à partir si quand, quand on a besoin de trucs, là on voit À partir, à partir de la du moment artillerie. où le jeu est lancé, le PC le détecte ah, automatiquement, là, réactive euh, la partie graphique, on va dire, euh, on dit dédiée. Et là, on a on a la sauce. Ce qui veut dire que quand on va enlever euh, l'adaptateur secteur euh, de son PC portable et ne juste mmh. le faire fonctionner sur le contrôleur graphique du processeur, là la batterie n'est pas fortement sollicitée. Non, et on arrive à monter parfois jusqu'à 5 heures sur certaines machines, ce qui est quand même pas mal. Ouais. On termine avec notre top, notre top 3, le numéro 1, donc ça c'est la machine ultime. Celle dont tu rêves. Voilà, alors ça aurait nuit. pu être celui-ci, mais j'en rêve pas parce qu'il est vraiment trop gros. Oui. Euh, voilà, J'ai Je jeté bon mon, bon bon mon dévolu sur un MSI, euh, alors qui pour le coup euh, embarque exactement la même carte graphique que le GX700 d'Azus, c'est-à-dire la GTX980 mm -hmm. normale, on va dire, mm -hmm. de Nvidia. Et donc, c'est le Dominator GT72S QF, attention, Dominator Projet. Et c'est la série 29e anniversaire de MSI. Euh, voilà, ils ont sorti une version à 3800 euros, excusez du peu, euh, qui intègre euh, des composants d'exception, euh, voilà, au même titre que le GX. Hein, donc, ça, c'est la crème de la crème en termes de gaming C'est la crème de la crème à un instant T. Parce oui. qu'on peut toujours aller plus ouais. loin. Hein. Mais par voilà. exemple, j'achète ça. Je suis tranquille pendant combien d'années euh, pour jouer bah, Trois mois. Hein. Non, euh, non, quand même pas. <laughs> non, avec, euh, <laughs> avec la GTX 980, Alors, hein. le Core I7, etc. Sachant que celle-ci aussi, on peut la faire évoluer à minima. Euh, oh. Je dirais qu'on est bien tranquille pendant au moins 2-3 ans facile. D'accord. Voilà. Okay. Sans, sans, sans écueil technique, sans rien, sans rien. Voilà. Parfait. Euh, vous avez des machines équivalentes, Guillaume, chez vous alors avec, euh, avec la 980, nous on bien a fait le, le choix, euh, ouais. pardon, avec la 980, nous on a fait le choix de partir sur une machine qui est comme ça. Mm -hmm. Et après, par contre, on aura des machines en 980m qui, euh, qui embarquent à peu près les mêmes spécificités que la machine chez MSI, mais on aura une carte graphique un petit peu moins performante. oui, effectivement. Émeric, euh, dernière petite question. Oui. On a Yoni qui nous demande. Bon voilà, moi j'ai un budget de 800-900 euros. Ouais. Est-ce que bon, lui c'est la loue, c'est même pas la peine d'y penser pour non, pouvoir non, jouer. Non, non. Euh, il y a, il y a, mais il y, y a une petite astuce que... justement. Ouais. On peut avoir quelque chose, si on est un peu débrouilleur, on peut... Débrouillard, pardon. On peut se débrouiller. Tout à fait. Il de... y, y a deux pistes à explorer. Si on veut absolument un portable, donc regardez les portables dits pour les casual gamers, donc mmh. les gens qui y jouent peu, etc. Soit, et en ce moment c'est à peu près la bonne période, on est en train de changer de gamme sur les PC portables. Donc il y a possibilité de trouver euh, des anciennes références à prix cassé sur la toile. Alors okay. à prix cassé, on s'entend, hein, c'est pas moins 50% mais euh, on arrive à trouver des machines intéressantes qui datent un peu, mais honnêtement, dater un peu en machine pour du gaming, euh, bon, voilà, vous n'allez pas vous traîner une brouette, mmh. on va être très clair. Ça, c'est la solution numéro 1. La solution numéro 2, c'est euh, finalement mon budget ne me permet pas de m'acheter le portable de mes rêves. Là, il faut que je me dirige sur un PC de bureau. Alors, est-ce que je l'assemble Ça, c'est possible. Est-ce que je le fais assembler Et ça, c'est de plus en plus le cas. Il y a de plus en plus de magasins qui proposent des PC assemblés aujourd'hui, des tours, à 8-900 euros, avec ou sans OS, avec lequel on va pouvoir jouer. Alors, avec ou sans Windows, pardon. Et en termes de budget, vraiment, on s'y retrouve. Ouais, hein. on arrive à du 8-900 euros. Alors, bien sûr, pour le prix, on n'a pas l'écran, on n'a pas forcément le clavier et la souris. Ça des images, alors, que vous regardez, c'est des images LDLC hein, qui à sont fait. spécialisées là-dedans. Et donc vous montez votre PC. Mais pour 8-900 euros... Ça, ça. Ah ouais, moi aussi ah j'adore ouais. ça. C'est tellement c'est tellement chouette. En plus, c'est pas compliqué, c'est un peu comme du Lego finalement. ça. Oui, euh... Et il euh, y a une satisfaction de, de se rajouter une carte graphique, de changer le disque dur, etc. Mais donc pour 8-900 euros, on arrive, on, trouve. on arrive à avoir une performance sympa. On arrive à avoir une machine pour jouer, euh, on va dire, pour faire euh, du casual gaming, voire du middle gaming. C'est-à-dire, je ne suis pas encore euh, un fou fanage, pas pouvoir mm -hmm. tout mettre à fond. Mais on a quand même des solutions très intéressantes pour ce prix-là, dans des boîtiers qui sont en plus assez sympas et qui garantissent une évolutivité dans le temps de la machine. J'ai ouais. mon boîtier, j'ai mon alimentation, je veux rajouter des disques, je peux le faire. Ouais, je n'ai pas la contrainte d'espace que je vais avoir sur un PC portable dans lequel finalement je ne vais pas pouvoir rentrer quatre disques durs et trois SSD, mm -hmm. pas pouvoir le faire. Alors que dans, une, dans, dans un PC de bureau, je peux le faire. Je peux changer la carte graphique, je peux changer le processeur, etc. Si ma tour me plaît, ça c'est possible. Très bien, très bien ben voilà, je crois qu'on a fait le Parfait, tour. Parfait, super. Merci beaucoup. Merci Aimer. Bah, Donc pas on rappelle que tout ça, évidemment, c'est à retrouver, notamment le classement des meilleurs PC de gaming sur 01net.com. Tout à fait. Il y en a un paquet, hein, je crois. Hein. Il y en a, alors j'ai mis le classement à jour il n'y a, a pas très longtemps. Pour, euh, on est à 9. On oui. est bientôt à 10. Voilà, euh, les, les 10, 11 et, 13, et 12, 13e arrivent. Voilà. Parfait. Très bien. Et merci à Guillaume Henri. Merci, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir montré ce... Ce monstre, Cette hein, de course. Impressionnant ce PC. Le premier PC portable avec water cooling. Le PC mutant. Eh bien voilà, ce 100% Windows est terminé. On a été ravis de euh, vous retrouver. On se retrouvera très vite. Vous savez que toute l'actualité des PC et du PC, du monde du PC, c'est tous les mois sur 01net TV. Merci de nous avoir suivis. Merci à Florian Beaufreton, Jean David Duarte et Pierre Thiolin qui était à la technique ce soir. Et on se retrouve très vite. Portez bien vous sûr, bien. bien sûr. Et puis préparez bien ces fêtes de fin d'année parce que c'est vrai que elles arrivent très très vite. À très vite et bonne soirée à tous. Salut à tous.